Salut les Tuckers Sharp Online, bienvenue à tous, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui pour l'avant-dernière vidéo consacrée à ma collection magazine sur le cinéma de genre. Je vous ai dit, j'ai tout dessiné live et des premières, ça je les présente pas parce que sinon ça n'en finirait pas et je trouve ça quand même moins intéressant. Donc là, ça va être mes quelques écrans fantastiques et les tout collections tout savoir, donc une collection de magazines que j'aime énormément. Donc on va attaquer sans plus tarder avec déjà du très très lourd, le numéro 17 de l'écran fantastique, donc qui est très très vieux, hein. Qui est très très vieux et qui a les traces de son âge, on va dire. Est-ce que je peux avoir l'année? Février 81, donc voilà, ça parle de futur février 81, donc on est là-dedans. Donc voilà, avec je crois que c'est la cover de. J'aurais dit Metal Hurlant, mais non, c'est Jason et les Argonautes, ça. Le choc des titans, peut-être. Ah bah oui, Ray Harryhausen, le choc des titans, je suis bête. Après, ça parle d'Escape from New York et dossier sur Vincent Price, entre autres. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, c'en est un qui a les affres de son âge. Avec quelques pages qui malheureusement se décrochent. Donc on a par exemple dedans des affiches des VHS version René Château de Zombie de Massacre à la tronçonneuse. Voilà. Et beaucoup de noir et blanc pour ces premiers numéros donc de l'écran fantastique de l'époque. Donc voilà. Ensuite, le numéro. La nouvelle dimension du cinéma, numéro 37 de septembre 83. Avec un dossier sur Star Wars 3, sur Krull et sur Octopussy notamment avec une cover donc de Star Wars Le Retour. Voilà, donc je vous disais l'écran fantastique numéro 83, on a dit. Alors, il y a notamment l'affiche du film dedans qui est L'homme aux deux cerveaux avec Steve Martin. Voilà. Donc avec le magazine. Et je crois que c'est dans celui-ci qu'il y a une double page poster de, je crois que c'est Creepshow. Hey. Et voilà, Creepshow. Donc un autre excellent magazine, hein, des pièces qui sont de plus en plus rares. Le numéro, donc là on est sur du beaucoup plus vieux, hein, 207 de mars 2001, où on va notamment revenir sur l'Exorciste 2001, le Final Cut de William Friedkin, donc Jurassic Park 3, Le Monde des Ténèbres, Hannibal, 2001 l'Odyssée de Stanley Kubrick, et Le Seigneur des Anneaux. Voilà, avec... Belphégor, le fantôme du Louvre en affiche, film français. Et le verso avec l'excellent Intuition. Vraiment, vraiment excellent. Hop. Et on a Krull au verso. Donc voilà, numéro donc de mars 2001. Un écran fantastique qui me tient tout particulièrement à cœur. Celui de. Février 97, voilà le 158, notamment dossier sur Mars Attack. Voilà, ça revient aussi sur DJ, sur Star Trek, le premier contact, entre autres. Donc voilà, superbe cover, Mars Attack, film que j'aime énormément, vous le savez. Bien évidemment, il n'y a plus l'affiche du film, seule petite déception, mais bon, c'est pas très très grave. Hop, elle est trouvable. Donc, hop, dossier sur Mars Attack. Le pareil numéro qui me tient à cœur aussi, je sais pas si je vais avoir le numéro, donc c'était du 28 France, on s'en fiche. Alors, de octobre-novembre 94, le 138 avec en cover Jim Carrey pour The Mask, splendide. Avec un gros dossier sur le film The Mask, donc pareil, un excellent numéro. Un beaucoup plus récent numéro, donc c'est le février 2018, le 394, avec notamment en cover Jurassic World Fallen Kingdom. Voilà, donc pour le coup un beaucoup plus récent. Ça revient sur la forme de l'eau de Del Toro.
Ça, c'est les actus, tout ça, donc on n'est pas dedans. Ça va revenir sur la série Altered Carbon, qui est une série de SF qui a l'air assez barrée quand même. Voilà, ça va revenir sur les effets spéciaux au niveau de la forme de l'eau. Donc voilà, on aura assez complet, hein. Ensuite, un hors-série sur Alien, donc de avril 2017, le hors-série numéro 22. Voilà, donc on va revenir sur la saga Alien au complet. Donc ça aussi, c'est très cool. C'est un numéro que j'aime beaucoup, que j'ai aussi dévoré. Voilà, Alien Ripley. Alien 5, le retour de Ripley. C'est ce qui serait éventuellement en discussion. Ce serait, je crois, Neil Blomkamp qui devrait le faire. Voilà, ça va parler d'Alien avec la pop culture, les romans, les comics, les jeux vidéo. Et un petit dossier sur Alien Covenant. Parce que c'était pour la sortie de Covenant. Donc voilà un autre excellent numéro. Un numéro qui met en valeur Covenant, c'est un numéro de mai 2017, le 386. Pareil, un numéro assez complet, donc avec une belle cover par rapport à la mythologie alien. Dossier sur les gardiens de la galaxie, sur la série American Gods, sur Pirates des Caraïbes, sur Alien, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'on a d'autre, par exemple? Bon, bah voilà, on va terminer là-dessus, sur Alien, comme je vous ai dit. Hop. Ensuite, on revient avec un hors-série, donc un hors-série assez récent également, septembre 2017, le numéro 24, enfin récent, tout est relatif. La saga Stephen King ont développé, voilà, donc j'ai récupéré il y a peu le hors-série, donc ils ont fait chez Manoury, ce qui pour le coup est plus complet parce que ça va ça s'étale sur plus de trucs, hein. Mais bon, là on a Atomic Knockers, on avait la part des ténèbres, les évadés, le fléau, la saga les démons du maïs. Shining, voilà. Ce qu'on a ici, la tempête du siècle, hein, qui a tant fait jaser et que tant de collectionneurs voulaient obtenir. Donc un excellent, excellent hors-série, avec une cover vraiment superbe, avec un embossage, un débossage de ce genre. Le hors-série sur la saga Steven Spielberg, qui pareil est un excellent numéro, qui va de ses débuts jusqu'à Ready Player One, hein, donc vraiment un super numéro. Vous allez voir, j'en ai un autre à vous présenter là très prochainement de hors-série Spielberg, mais celui-ci est excellent. Et la cover, pareil, est vraiment superbe. Donc on a l'acteur principal pour Ready Player One, mais on a aussi son Bruce des Dents de la Mer, on a Indy, on a E.T. et on a Rex. Donc voilà, excellent. Pour l'écran fantastique, il en reste deux. Le spécial numéro pour les 50 ans qui, pareil, présente une cover vraiment superbe où on a la fiancée de Frankenstein avec le gant de Freddy. Et dans ses cheveux, on arrive à discerner Godzilla, la fille de l'exorciste, je touchais Regan, voilà. Terminator, Superman, Frankenstein, Dracula, Michael Myers, la créature du lac noir, Predator. Vraiment une cover superbe. Je sais pas si vous allez voir en détail. Voilà. Donc un excellent numéro, hein. Celui-ci, je l'ai vraiment dévoré. Où ça va revenir sur un film iconique des années. Donc ça va de 67, 68, je crois. De 69 à 2017, je crois. 2016, 2014, 2018. À 2018, donc voilà, vraiment un excellent numéro, je vous le conseille, il doit être encore trouvable celui-ci, vraiment top. Le petit hors-série qui fait bien plaisir, Vintage sur Tim Burton, voilà, parce que vous connaissez mon amour pour Tim Burton, qui était sorti pour la sortie de Dumbo, qui est de janvier 2019, donc petit format bien cool, peut-être pas aussi complet que le Manwood classique, mais ça fait plaisir de l'avoir quand même, il y a des choses en plus, on va dire. Et là, on va être sur la collection Tout Savoir où j'ai 3, 6, 7 magazines à vous présenter, mais c'est vraiment des excellents magazines. On a en premier le Tout Savoir Art et Média numéro 6 qui est génial. Donc les monstres au cinéma. Ça va parler de Godzilla, Beetlejuice, Frankenstein, King Kong, Alien, Dracula, Freddy, Evil Dead. Et en fait, c'est par thématique. Donc, on va avoir une catégorie sur tout ce qui est kaiju avec Godzilla, Pacific Rim, Rampage, enfin tout ce qui est monstre un peu comme ça. Une catégorie sur les serial killers où on aura Freddy Krueger, Michael Myers, tout ça.
une catégorie sur plus style ce qui est dinosaures, sur les requins, sur les araignées. Donc ça va parler des origines des effets spéciaux, notamment de Ray Harryhausen, de Roger Corman. Voilà, ça va parler de Gremlins, d'Anaconda, de King Kong, de Alien, de Tremors. C'est un excellent magazine. Et en plus, ce qui est cool, donc c'est que c'est émaillé déjà de plein de photos, que les articles sont très complets. Et il y a énormément d'archives vidéo à regarder juste en scannant du QR code. Et c'est top. Voilà, donc on va être sur un dossier consacré justement sur les requins, les films avec des créatures, tout ça. Donc là, c'est Frankenstein, là, c'est Dracula. Franchement, ils sont géniaux. C'est des magazines qui valent peut-être un peu cher, mais je trouve que le prix le vaut largement. Franchement, ça coûte 12-13 euros. Là, c'est Freddy, les morts vivants. Donc ça vaut 12-13 euros ces magazines-là, 12,50 €. Mais c'est vraiment des perles, des petites pépites. J'aime énormément. Il y en a 3-4 disponibles sur par exemple Vinted, notamment celui-ci, je crois qu'il y est. Il y en a sur un Marvel, il y en a sur. Je sais plus. Mais ils sont encore trouvables aussi sur internet en tapant magazine collection tout savoir. Vous pouvez les avoir et ils sont vendus au prix qu'ils étaient vendus en presse. Donc je vous conseille de vous procurer ça, c'est vraiment vraiment excellent. Et je vous dis, il y a 38 heures de vidéos en réalité augmentée. Donc. Les bandes annonces des vieux films dont il parle, tout ça, donc c'est vraiment vraiment excellent. Moi je sais, quand je dis ces trucs là, j'ai mon téléphone ou mon ordinateur à proximité et je regarde souvent les bandes annonces des films en question pour être encore plus immergé dans ma lecture et c'est vraiment excellent, franchement c'est tip top. Ensuite, celui-ci qui est top aussi sur Walt Disney, donc c'est le numéro 2 celui-là. Là, il y a 25 heures de vidéos, donc des secrets de tournage, des bandes annonces, des scènes cultes. Et donc, ça va aller jusque la Reine des Neiges, je crois. Et ça va parler, donc, en avant-première. Donc, maintenant, c'est déjà passé, hein, mais de la Reine des Neiges 2, de Cars 3 et de Toy Story 4. Donc, ça va revenir année par année de la création, donc, de la compagnie Disney. Avec chaque année, un ou deux films emblématiques. Non, c'est pas ça. Chaque année, les Disney qui sont sortis, par exemple en 73, c'est Robin des Bois, en 77, c'est Bernard et Blanca. Et ça va aussi parler sur les Walt Disney hors dessin animé, les films. Enfin voilà, c'est un numéro encore une fois très complet. Voilà, donc là on a le Bossu Notre-Dame, Hercule, le Verseau qui est vraiment superbe aussi. On peut voir Fantasia ici. À côté on a Dumbo, de l'autre côté on a Bambi, en bas on a Pinocchio. Enfin voilà, c'est pour tous les passionnés de dessins animés de Disney. Hyper intéressant et c'est une pièce à avoir, ça. Ensuite, pareil, hyper complet, vraiment excellent, le numéro 5, donc consacré à la filmographie de Steven Spielberg, avec là aussi 18 heures de vidéo, donc pareil, vraiment très très bon. Donc là, on a bien évidemment sur Duel. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, ça va parler des premières heures de Spielberg aussi. Voilà, là on a Sugar Land Express, qui est certainement un de ses moins connus pour les novices, on va dire, de Monsieur Spielberg. Les Dents de la Mer, qui est pour le coup sûrement un de ses plus connus, mais bon, il y en a au moins 15 de films plus connus. Rencontre du Troisième Type, qui est excellent, qui est un de mes préférés. 1941, pareil, qui est pas très connu, qui est une comédie vraiment, vraiment très très bonne. Voilà, Les Aventuriers de l'Âge Perdu. Et dans les plus vieux, notamment, on a Amistad, qui est un de ses moins aimés, on va dire, mais pareil, j'aime beaucoup. Il faut sauver le soldat Ryan. Arrête-moi si tu peux. La Guerre des Mondes, Munich, le Indiana Jones que beaucoup de femmes rejettent, on va dire. Voilà, Les Aventures de Tata, Secret de la Licorne, Cheval de Guerre, qui est très très bon aussi. Enfin voilà, bref. Une Bible aussi à voir sur Spielberg. J'ai deux très gros bouquins sur Spielberg, mais ça fait toujours plaisir d'avoir du magazine comme ça aussi. Encore un autre excellent numéro, c'est le numéro 3, c'est les chefs-d'œuvre de la science-fiction. Avec là plus de 68 heures de vidéos, donc pareil, une cover très 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 iconique. Où on a notamment Star Trek, Avatar, Planète des Singes. Là on a le Xenomorph, là on a Ghost in the Shell, là on a Riddick, là on a Matrix, là on a Avatar, Alien, Terminator, Blade Runner, Retour vers le Futur, E.T., j'en passe, et les meilleurs. Excellent aussi celui-ci. C'est un magazine qui m'a vraiment, vraiment, vraiment élargi mon horizon et ma vision du cinéma de science-fiction. Je connaissais, on va dire, les gros blockbusters, tout ça, et ça m'a fait découvrir plein de super films, un peu moins connus, donc soit très vieux, du style les vieux films, qu'est-ce que j'ai vu, Battle in Space,
J'ai plus de titres comme ça qui me viennent en tête, est-ce que je peux trouver des images. Enfin, des films des années 50-60, on va dire, donc des style La Planète Interdite, style Capricorn One, pour les années 70, je crois. Enfin, voilà, je me suis vraiment régalé, encore une fois, je l'ai découvert en regardant les vidéos au fur et à mesure. Et pareil, c'est vraiment un petit bijou de magazine. Donc, voilà, ça va revenir en détail sur des sagas cultes. Donc là, c'est vraiment consacré à Terminator. Là, qu'est-ce qu'on a? Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mad Max, avec tous les dérivés qui ont été faits, tous les films qui sont sortis après, tout ça. Donc là, Repousser nos peurs, donc ça va être tout ce qui est film invasion extraterrestre. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, les films de rencontres extraterrestres, encore du troisième type, tout ça. Et si je vais un peu plus en avant, bon, on a par exemple Avatar. Vers l'infini et l'au-delà, là c'est le monde merveilleux du docteur Imagine. Merde, je sais plus, Magorium, Monsieur Magorium, le truc de Terry Gilliam. Dark City, enfin voilà, vraiment un petit bijou de magazine encore une fois. Et il en reste 3 comme ça à vous présenter. Celui-ci, le numéro 1 hors série, donc c'était sur Star Wars, donc ça revient sur toute la saga jusque l'épisode 8. Donc voilà, donc pareil, une pièce à voir. Pour avoir quelque chose au moins sur les Star Wars, donc je suis très content. Bon, bah là, ça parle que de Star Wars, donc je vais pas spécialement vous le détailler. Mais excellent, celui-ci, il y a quelques personnes qui le vendent sur Vinted à 2-3 euros, donc foncez, ça vaut le coup. Ensuite, pareil, celui-ci, je l'ai dévoré aussi, collection Tout Savoir, le numéro 3, 50 ans de dessins animés cultes. Donc ça va revenir sur les dessins animés des années 60, 70, 80, 80 70, 80, 90, 2000. On a du Dragon Ball Z, on a du Goldorak. On a du Simpson, on a du South Park, on a du Bob l'éponge, du Rick et Morty, du One Punch Man, du Naruto, du One Piece, du Mystery City d'or, Nicky Larson. Et bah tiens, en parlant de Nicky Larson, première page que j'ouvre, Nicky Larson. Voilà, et donc ça revient vraiment en détail sur des dessins animés assez cultes. Là c'est Ranma et demi. Si je vais un peu plus loin, bah là on est en 99 avec Bob l'éponge. Putain, Bob l'éponge, ça a déjà 20 ans. Oh lolo. Beyblade 2001, Naruto, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Clone Wars 2003, putain, ça aussi c'est vieux. Oh, Bleach, Avatar le dernier maître de l'air, Nickelodeon, Cartoon Network, American Dad, génial, 2005. Et dans les plus récents, certainement que ça va être justement One Punch Man ou Rick et Morty par exemple. Ah, on a les Zinzins de l'espace là, qu'est-ce que c'était bien ça. Enfin voilà, pareil avec je sais plus combien d'heures de vidéos, mais excellent aussi. Et le dernier pour cette collègue qui là aussi est vraiment top, c'est le numéro 7, c'est le guide du cinéma français, où ça va revenir sur 70 films cultes français. Donc moi qui aime beaucoup le cinéma français, ben, je me régalerai, je l'ai pas encore lu celui-ci, mais je vais me régaler très certainement. Hein, ça va parler bien évidemment des gendarmes, des films de Godard, des Misérables, des 400 coups, donc Truffaut. Ça va parler plus récemment, ben là on a Anneau avec La Guerre du Feu, donc ça c'est 80, on va parler de La Chèvre. Mais plus récemment on a quoi? On a Fabuleux Destin d'Amy Poulain, on a Camping, on a Vérité si je mens, Le Cinquième Élément. Donc vous voyez, c'est pas que de la comédie, drame, action, science-fiction, tout ce que vous voulez. 70 films cultes de cinéma français, donc pareil, un beau petit magazine que je suis très content d'avoir. Celui-ci je l'ai vu sur Vinted aussi pour le coup. Voilà les amis, ça conclut cette vidéo, donc assez varié, assez content de vous avoir présenté tout ça. On terminera en beauté avec les Mad Movies les plus vieux que j'ai et les Mad Movies collection thématique et collection réalisateur. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, et puis nous on se dit à très prochainement pour la suite. Joyeux nananime et ok, ciao fucking ciao.